Alors, laisse-moi te parler de quelque chose d'important qui est l'image de marque. Sais-tu que ton image de marque peut t'apporter des clients que tu vas adorer ou des clients que tu vas détester? Oui, je dis bien détester. Si tu veux savoir comment multiplier les clients que tu vas adorer, reste jusqu'à la fin de la vidéo. À tout de suite. Bienvenue sur Cake Entrepreneur, je suis Fanny Ouamara et j'accompagne les femmes comme toi, cake designer, qui souhaitent transformer leur passion en entreprise rentable. Aujourd'hui, je souhaite te parler d'un sujet très important et négligé qui est l'image de marque. Des fois, quand je parle de l'image de marque, je n'ai pas de réaction. Parce que d'un, on ne sait pas du tout ce que c'est qu'une image de marque. On se dit, mais de quoi est-ce qu'elle me parle, Fanny? Alors, commençons par définir c'est quoi une image de marque. Une image de marque, c'est l'image que tu renvoies. C'est la perception que les gens ont de toi. Et sache qu'il n'y a pas que des stars ou alors des grandes marques comme Apple, Adidas ou alors Louis Vuitton qui ont une image de marque. Tout le monde a une image de marque, même quand on l'ignore et même quand on n'a rien fait pour l'avoir. Tout le monde a une image de marque. Cependant, il y a deux catégories de personnes. Il y a ceux qui savent qu'ils ont une image de marque et qui vont le faire intentionnellement évoluer pour dire ce qu'ils veulent que l'image dise et attirer des gens qui veulent attirer. Et il y a une autre catégorie qui va se dire, enfin qui va même ignorer, qui ne saura même pas que le fait qu'elle ne travaille pas dessus, elle a quand même une image de marque à renvoyer. Tout ça pour te dire que tu n'as pas le choix. Que tu le veuilles ou non, que tu le saches ou non, tu as déjà une image que tu renvoies. Cette image, c'est où est avantage ou est te désavantage. C'est où elle t'apporte des clients ou alors elle te chasse des clients. Alors tu n'as pas le choix, tu es obligé de travailler sur ton image de marque. Alors comment faire pour travailler sur ton image de marque? Avant de répondre à cette question, laisse-moi te demander pourquoi c'est vital en tant qu'artisan, en tant que cake designer. Simplement parce que ce que tu fais en tant qu'artisan, tu injectes ton temps. Et le temps, c'est très coûteux, surtout en Occident. Alors, tu vas avoir des produits qui vont être assez chers. Et la plupart des gens, des personnes lambda, de la classe moyenne, auront du mal à sortir leur argent pour donner à quelqu'un qui a une image pourrie. Ok, j'exagère. Qui a une image non travaillée, qui a une image ignorée, ou bien qui n'a simplement jamais travaillé sur son image de marque. Alors, lui, en tant qu'artisan, tu es encore beaucoup plus touché à cette image de marque que celui qui vend des fraises au bout de la rue ou bien le supermarché qui est incontournable. Toi, tu as évidemment besoin encore plus de renvoyer une image qui va coller avec la qualité de ce que tu offres en termes de service, de prestation. Maintenant, comment améliorer son image de marque? Déjà, un, le fait que tu en aies conscience, c'est une avancée drastique. Maintenant que tu le sais, tu vas faire un audit de toutes tes plateformes de communication pour te dire « Ok, si j'étais moi, mon propre client que je vais attirer, maintenant tu vas me dire quel client tu vas attirer, tu peux le mettre en commentaire si tu veux. Je vais attirer une clientèle qui est comme ci, comme ça, comme ça, comme ça, ok. » Maintenant que tu es dans les baskets de cette clientèle, dis-toi, est-ce que si j'étais cette clientèle et que je viens chez moi, Tort Campion, Cakes ou bien Magic Cakes, peu importe, est-ce que je me sentirais chez moi? Est-ce que je me sentirais à la bonne place? Est-ce que je me sentirais en confiance? Si la réponse est non, alors tu as la réponse que tu cherches, tu dois changer ton image de marque. Alors l'image de marque, des fois on pense que c'est le logo, que c'est le nom, que c'est la photo. Ça fait partie de ça, mais ce n'est pas que ça. C'est une infime partie de ça. L'image de marque est aussi bien ce qu'on voit, ou ce qu'on entend, que ce qu'on ne dit pas. C'est tout un univers. Pour vous simplifier la tâche, je le dis dans mon cours, justement sur le branding, pour simplifier la tâche, pour qu'on comprenne bien, je dis, écoute, dans la famille, on a une identité pour tout le monde. On sait que Pierre, il est comme ci, Jacqueline, elle est comme ça, Solange, elle est ci, etc. Vous voyez, chacune a une définition de comment est-ce qu'on la perçoit. Alors, tout le monde dans la famille a une image, a une réputation. Voilà. En fait, c'est ta réputation. Quelle réputation tu veux forger dans ta localité, dans ta ville, dans ton pays?
Et quand tu comprends que l'image, en fait, c'est ta réputation, t'as tout compris. Alors, tu sais maintenant comment travailler ta réputation. Alors, si maintenant, tu veux aller plus loin pour te définir une image de marque qui va coller à tes aspirations, aussi au chiffre d'affaires que tu veux gagner et à la clientèle que tu veux attirer, sache que dans le programme, nous accompagnons des personnes aussi bien sur le savoir-faire pour perfectionner leur technique que sur le mindset pour pouvoir être des chefs d'entreprise qui savent comment penser leur entreprise, comment aller à la next step, mais aussi sur la visibilité qui est tout ce qui va être le marketing et la communication. Et tiens-toi bien, dans cette branche-là, on parle de branding, d'image de marque, en fait que toi, tu as une image de marque qui te serve et qui arrête de te desservir vu tout le temps, le travail et l'amour que tu mets dans ton savoir-faire. Ok ? Si tu as aimé, tu me mets un commentaire pour me dire ce que tu as apprécié découvrir dans cette vidéo. Si tu es nouveau, tu peux t'abonner pour recevoir mes nouvelles notifications. Également, me suivre sur ma page Instagram où je publie quotidiennement des conseils, des astuces beaucoup plus fréquemment que sur YouTube. Et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.